YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une display style de combat. Alors c'est une collection qui à sa sortie a pas marché tant que ça parce que vous allez très vite vous en apercevoir, il y a des Shifuurce V, des Shifuurce V alternatifs, des Shifuurce V full art, des Shifuurce V max, des Shifuurce V max secret, bref, si vous aimez pas le Pokémon, je vous enjoins à passer sur une autre vidéo parce que là c'est parti. Mais bon, dans ces grandes cartes à l'intérieur de la collection, il y a quand même El Famoso Demolos Gold qui a lui et le petit Octillery aussi qui est en gold. J'ai hâte d'ouvrir tout ça. C'est parti! Ok, on va commencer avec 9 premiers boosters. Alors, premier booster. Bon, comme d'habitude, je vous mets les codes sur le côté. Alors, on commence avec Gruikui, Jaglam, Dunaja, Viscusé, enfin, ou Viscuse, hein, dépendamment de comment vous le prononcez, Malos, Énergie Plante, Scorvol, Wimessir, Spectra, un Tritox, du coup, en reverse. Et on commence avec un Colossinge, donc qui n'est pas holographique, mais bon, Colossinge quand même. Moi, j'aime beaucoup les Pokémon de la première génération. Gruikui, Monorpal, Electek, Balbuto, Corplan, Énergie, Vortante, Rapace de Pique, oula, attendez, j'envoie tout valser, Groray, je vais y arriver, Steelix, donc Steelix rare et reverse, donc pas trop mal, ça va aller sous sleeve, et on a Scolossandre qui n'est malheureusement pas holo, mais je vais quand même garder le Steelix parce que j'aime beaucoup Pokémon de la deuxième génération, ça aussi c'est une de mes préférées. Après je trouve que c'est parti un peu trop en steak à mon goût. Après je dis ça, il y a quand même des Pokémon sympas dans toutes les générations, faut pas déconner. Alors Gripat, Lixie, Cacnea, Scalpion, Charpentier, Énergie, Chaffreux, Bloqueur d'outils, Nosferalto, Dolman, donc rare et reverse, donc ça va aller sous sleeve hein, comme d'hab. Et oh, cette fois-ci le Steelix mais en holo. Oh, let's go, let's go. Je prends tous les jours. Toi, t'es magnifique. On reprend avec Shaglam, Écrapince, Lépidonil, si vous préférez, Osselet, Cornèbre, Énergie, Scorvol, qu'on a déjà vu tout à l'heure, sur le premier booster d'ailleurs même. Oui, Messire. Spectra, pareil, on l'a vu aussi. Groray, du coup. Donc, pas rare, malheureusement, mais quand même reverse. Et Kaorin. Alors, désolé, poteau, mais je suis un peu déçu de voir ta tête. On poursuit avec Dunaja, Monsieur Mime de Galar, qui a quand même, faut le dire, une meilleure tête que le Monsieur Mime classique. Le Monsieur Mime classique, je trouve qu'il ressemble beaucoup trop à un clown lambda, et j'ai trop d'amis qui n'aiment pas ça. Pour avoir des cartes jolies de lui à mettre en valeur. Chez Tiflore, Onyx, très belle illustration d'Onyx. Après Steelix, bon forcément c'est un peu logique, même si normalement il est avant techniquement. Piafabec, énergie point final. Il me semble qu'elle est aussi en carte gold celle-ci. Alors faut savoir que si jamais je chope une carte gold et que c'est un objet, sur le moment on pourrait penser que je serais heureux, mais en fait j'aurais envie de pleurer derrière la caméra parce que je veux le Demolos Gold. Luxio, Fermite, Spoink. Et oh, Tyranocif. Ok, celle-là c'est un banger par contre. Celle-là, je prends tous les jours. J'aime beaucoup. C'est une DV que j'aime bien de cette extension en plus. Cavalier aussi sous top loader, je pense. On a Cornèbre, Tox, Chétiflore, Kung Fuin, Voltoutou, c'est choupi. En plus, il y a une petite Pokéball dans la bouche. Comme s'il ramenait la bubble. Chaffreux, Bloqueur d'outils, Nosferalto. Oh, Fulgudog, donc rare et reverse, donc il va aller sous sleeve hein, évidemment. Et Shaofuin, alors plutôt joli. En vrai, l'illustration est sympa, j'aime bien. Un peu deck du coup que je n'ai pas chopé en holographique, mais peut-être que ça viendra, on sait jamais. Remoraid, Piafabec, Pachirizu, Seribu, Kung Fuin, Énergie, Ouvrifié. Ouf, là, je suis désolé, mais quand je disais tout à l'heure que ça partait en couille au bout d'un moment, bah. Voilà. Cacturne. Niveau Ball. Oh, Voltoutou, du coup, cette fois-ci en reverse. Donc, il est vraiment choupi. Et
Floramantis, malheureusement, toujours pas holographique. Après, bon, on a eu le Stylix, donc on peut pas trop se plaindre là-dessus. Onyx, Greypat, Shaglam, Ramolos de Galar, Voltoutou, Énergie, Énergie point final, Luxio, Fermite à nouveau, Multi-XP, oh, attendez, on voit à bord. Il y a un bord. Prix très fort, prix très fort. Voilà, on sait que c'est pas une carte gold, hein. Je pense que c'est un bord noir. Est-ce que ce serait pas un des 10 milliards de Chifours de l'extension? Alors, peut-être, hein. Et non, on a Pomme Drapi. Franchement, plutôt bien. J'aime bien, là, sur l'illustration. Est-ce que je vais avoir un focus correct? Regardez-moi ça. Vous avez vu cette bouille? Allez, sous sleeve, sous top loader. Et le dernier booster, donc, de cette partie 1. Et voilà, toc. Excellent. Ouh, qu'on n'avait pas vu. Déjà, on a galéré pour le voir, hein. Hippotrempe, Ferrosinge, Mistypule, j'avais pas vu non plus Mistypule, Mimantis, c'est pareil, Énergie Plante, Colomar, Groray, bon lui on l'a vu au moins 4 ou non au moins 3 ou 4 fois je dirais, Recycleur d'énergie, Corde sortie en reverse et Moyade du coup pas holographique mais c'est pas grave. Alors sur cette première partie du coup on a eu donc deux très jolis V que j'aime beaucoup, genre les deux Pokémon je les trouve vraiment stylés. L'holographique donc Stylix et après quelques reverse qui étaient en rare tout de même. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu vous plaît et à me laisser un petit pouce en l'air et à me dire dans cette extension si vous avez réussi à choper les innombrables Chifours qui existent. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, ciao !